C'est pas pour les doux. Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce podcast C'est pas pour les doux. Aujourd'hui, mardi le 13 février. Podcast numéro 24. C'est quoi cette voix-là? C'est longtemps que vous n'avez pas entendu cette voix-là. Ben, c'est clair. Hein, oui. C'est, ben oui. C'est qui, ça? Ben, c'est Simon. Ah, ben, crème. Ben, bonjour, Simon. Ben, bonjour. T'as été libéré par l'Empire québécois. Oui. Oui, effectivement. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans un Vidéotron. Alors, c'est pas toujours facile pour moi d'être libre les soirs de semaine. Il fait bien ça. Mais ça veut dire que je fais bien ça, je suis encore là après 8 ans. Voilà. Que... ça doit être pas si pire. Ouais. Ça doit être pas si pire. Aujourd'hui, il y a une petite batch de sujets assez relax. Assez relax, un petit bloc nouvelle. Après ça, on embarque sur le projet de Nintendo qui s'est fait révéler il y a quelques semaines, Nintendo Labo. On parle de speedrun et de records et de faux records. Oh, oh, oh. Et on parle un petit peu des jeux qui s'en viennent dans les mois de mars et avril. Oui, c'est pas mal ça. Nouveau Pokémon, j'ai hâte, mais ça sera pas en mars ou avril. Non, ça va sûrement être plus comme en novembre ou décembre. En Noël, je pense, cette année. Ouais. Je serais pas surpris. 2019. Non, 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 non. Non, non, non. Ça va être Metroid en 2019. Ah, ça, c'est sûr, on en parlera plus tard. Ouais, mais Bandai Namco, justement, ils ont annoncé que c'est eux autres hein, qui font le développement puis qui étaient quand même relativement avancés. Qu'ils disaient... Ouais, mais... Je pense qu'on parle de nouvelles pour ceux-là qui nous écoutent. Ouais. J'ai vu le communiqué de presse, j'ai pas trop checké. Bandai Namco, en tant que tel, c'est pas un studio, c'est un distributeur. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui travaille pour Je pense qu'il... Ah, ça se peut, ça, par exemple, je sais pas, mais ils avaient pas travaillé aussi sur Smash. C'est pour ça qu'ils pouvaient utiliser Pac-Man. Fait qu'ils ont pas rien que publié. Je pense qu'ils ont vraiment travaillé sur Smash. Ouais. C'est pour ça que je pense... C'est pour ça que Pac-Man est là. Ce qui me fait encore plus questionner sur qu'est-ce que Retro Studio est en train de faire. Là. Le studio qui a fait tous les autres Metroid Prime auparavant sont pas en train de faire le 4. Fait... C'est-tu eux autres qui ont fait le Metroid de merde à 3DS? Non. Okay. Ça, c'était Mercury Steam. OK, au moins. Au moins. Quel Metroid de merde? Metroid Samus Returns. Moi, je l'ai vu. C'est ça? Non. Tu parles de genre de Metroid Soccer. Le faux Metroid Soccer. Tu parles de Federation Force, toi, là. Ouais, j'étais là. Ben, moi, j'ai aimé Metroid Samus Returns. Non, ça, c'est mais le. Mais non, Federation Force, ça, c'était qui avait fait ça? En tout cas, si c'est eux autres, c'est une reine des raisons pourquoi ils sont pas là. Jeu de marde. C'était gratuit. C'était gratuit. Mais, Max, je pense que ça avait de quoi d'autre à nous dire côté nouvelles. Côté news, ben oui, une prédiction que j'avais annoncée depuis que j'ai vu le direct mini, puis que tout le monde chialait. Puis moi, je disais, c'est un direct mini, les gars. Dans pas long, on va avoir le vrai direct avec les affaires, parce que là, ils n'ont pas parlé des gros jeux qui s'en viennent. Surtout avec les nouvelles qu'on voit, il y a eu des leaks un peu partout. Mais c'est pas supposé être dans les 20 raison. Prochains jours, il y a genre 20 jours. Ça s'en vient, ça s'en vient. Normalement, c'est dans les 20 jours qui viennent, mais là, on sait pas trop avec le direct Pokémon aussi, si on annonce Pokémon dans ce direct-là ou dans leur direct Pokémon. Mais en tout cas, il y a les gros titres qui s'en viennent, les gars. Puis parmi mes prédictions, je suis pas mal sûr, comme on parlait tantôt, Metroid Prime, ça va être à Noël, pas cette année, mais en 2019. On va avoir Pokémon à Noël cette année pour les fêtes, c'est pas mal sûr, Pokémon Switch. Puis d'après moi, ils vont annoncer des ports là, vraiment que le monde avait demandé comme GTA. Je suis pas mal sûr qu'on va le voir popper. Puis que ça GTA va être annoncé. J'ai de la misère. Penses-tu? GTA 5, je suis sûr. Non. Elle est noire, a vraiment pas bien vendu. Hein. Pas mal sûr, moi, tu vas voir. Puis il y a une affaire qui va faire en sorte peut-être qu'on l'aura pas sur Switch. La grosseur du jeu et des patchs. Ouais, GTA avec GTA Online, toutes les patchs, t'es. 100 gigs. Je l'installe de disque puis j'ai 50 gigs à redownloader. Eh, si, ouais, mais GTA avec, peut-être qu'il n'y aurait pas le GTA Online. Ouais, mais ça serait. Ouais, ça serait poche un peu. Je sais pas. Ça serait poche un peu, mais ça serait pas impossible. J'ai hâte de voir parce que. Ce qui me fait peur, c'est que les autres parts de Take-Two. Soit pas bien vendu, soit ont été des ports de marde. Je pense à WWE, qui est vraiment probablement le pire exemple de port sur la Switch. Ouais. L.A. Noire n'a pas l'air d'avoir bien vendu. C'est ça qui me fait peur. Pour... À moins que vraiment GTA était déjà en développement le port avant même que la Switch soit lancée. Puis j'avais entendu parler là, que c'était... Bien de sortir, là. Mais... J'avais entendu parler que c'était avancé. Je sais pas si c'est vrai. Il y a d'autres leaks aussi que j'ai vu que je crois moins. J'ai vu un leak qui parlerait peut-être d'un Skyward Sword HD sur Switch. Ça, je le crois pas.
Ça, non. Il n'a pas assez pogné, celui-là. Non, ce que j'ai hâte de voir popper... J'espère pas, en tout cas. Ça a été annoncé longtemps. Ça a été annoncé avant l'annonce de la Switch Pikmin. Ah, ça s'en vient pour ça. Ça devrait cool, quelque ouais. part aussi. Sans parler de Yoshi, Woolly World, puis l'autre Kirby qui ont été annoncés de toute façon. Fait que ça, c'est sûr ouais. que ça s'en vient bientôt. Mm-hmm. Mais là, je suis en train de prendre du bloc de la fin. Bon, ben ça, c'est pas du stock qu'on ouais. a des dates de toute façon. Ouais. Non, spécule, en gros, je voulais parler de ça, là, du fait que le direct s'en vient et que PlayStation commence à avoir peur encore plus. Ça, on va le laisser fabuler. Est-ce que... Là, on parle de rumeurs. Il n'y a rien d'officiel. Est-ce que ça va être vrai? On le sait pas. Ça serait cool, ça, c'est sûr, parce que Nintendo Direct égale tout le temps des nouveaux jeux, habituellement. Fait que c'est hot. La Switch, c'est une belle console. Fait que... Oh oui. Voyons voir. Voyons voir. Puis sinon, ben... À part ça, dans les news, avez-vous vu d'autres choses? Moi, je sais que vite, la manette là, qu'on avait parlé, je sais pas si on avait parlé au podcast, la manette de 64, nouvelle génération, avec les deux triggers faites comme une manette genre normale de Xbox, ça a été un Kickstarter cet automne. Ah ouais? Ouais, puis c'est une manette nouvelle génération avec les joysticks vraiment plus comme une GameCube, puis faite comme une manette plus de Xbox. J'ai jamais vu ça passer. Puis ça a été annoncé, ça a été un succès comme Kickstarter. Moi, j'ai eu la chance de m'en précommander une. Ça s'en vient bientôt. Eh ben, ouais. C'est une manette. Pour une manette universelle? Pour le 64. Pour le 64. Ouais, pour le Nintendo 64 c'est avec ouais, nouvelle next-gen. Fait qu'on va peut-être pouvoir faire une mini-review ici pendant un podcast. Ça serait bien. Quand on donne toutes nos opinions. Oui, puis en même temps, on pourrait comme acheter des photos sur la page Facebook Watch and Game de la manette en soi, puis mettre le lien du Kickstarter. Ouais, ben là, c'est fini depuis un bout. Là, va falloir qu'ils refassent des batchs, puis que même que ça revienne en vente libre, ben là, que le monde va pouvoir en acheter. Ah, là, pour cool, là, ils comblent les précommandes dans le temps. Cool, ça. Cool. Moi, il y a une affaire vite que je voudrais parler. Le site IGN, il est donc bien rendu d'être en crise. Tabarnak, il est là. Excusez, il faut l'en parler. Elle fait longtemps en nasty, je parlais sur sa page d'accueil du site du GM. C'est rendu lit en nasty. C'est plein de genre de gros icônes, puis on dirait le menu d'Xbox. Le problème de ces sites-là, c'est qu'il faut tellement qu'ils mettent de pubs pour être encore rentable. Je t'ai pour dire qu'il n'y a plus personne qui va sur ces sites-là. Oui, il y a encore du monde, mais recul de, mettons, 7-8 ans, là. Avant YouTube, là. C'était IGN, c'était Game Trailer, c'était GameSpot, ouais. T'allais directement sur les sites. Jeuxvideo.com. C'est rare en hostie que je sors de YouTube pour aller checker mes nouvelles de jeux vidéo, je vais t'en être, là. Ouais, toi, t'écoutes des étrons comme Jim Sterling, on le sait tout. Ça, ou des fanboys de Nintendo, là. Ouais, j'aime bien mieux mes fanboys. T'en es pas revenu encore de sa review de Zelda. Je l'aime pas, ce gars-là, c'est une merde. Mais non, il fallait que j'en parle, le site, il est là. Fait que Simon, parle-nous de carton. Bon, ben je vais parler de carton. Parce que oui, Nintendo nous ont montré il y a quelques semaines un projet qu'ils ont lancé qui s'appelle Nintendo Labo. Pour ça, faire c'est un génie. Pour une histoire courte, c'est comme le successeur de la Wii, si je peux dire. Hein? Parce que t'as du motion control, t'as des gadgets qui vont se vendre à part pour la console. Moi, je pense qu'on pourrait faire une meilleure comparaison en appelant ça peut-être la suite de l'évolution de la VR en AR, puis là on se met à tout mélanger ça ensemble pour avoir un drôle de concept ou que c'est pas rien que la réalité virtuelle, là, t'es vraiment le genre de robot. Ouais, je sais pas si c'est leur réponse au VR. C'est quand même de la réalité augmentée, là. Tu te fais un petit piano, puis là, ça marche avec ta Switch puis tes affaires. Moi, c'est le même que je vois ça, vous autres. Je trouve ça un peu étrange, en fait. Moi, je vois ça comme la gimmick. Hey, le robot a l'air malade mental. Je vais l'acheter en nasty robot. Gimmick. Ça va être fou. Est-ce qu'on sait ça va être quoi, les jeux qui vont être avec ça? Ça va être genre un Wii Sport avec juste des mini-jeux? Ça va être des jeux vraiment fleshed out pour chaque patente de carton que tu peux acheter? Ça, on le sait pas tout à fait encore. Si je regarde, mettons, le pack de base qui va se vendre avec comme le piano, la canne à pêche et puis tout ça... Ça ressemble à des petits jeux comme un peu le Wii Sports. Là. Mais si je prends par exemple le robot il se vend tout seul avec son matériel, son jeu à quoi? Je pense que c'est 100$ canadien. De quoi de même? À 100$, le robot, il est mieux d'avoir un jeu tout seul qui est assez long. Ouais, si c'est un jeu complet, moi le prix me dérange pas tant que ça. Parce que là, mettons qu'un jeu standard est à 79,99$ ces temps-ci, ça fait quand même 20$ de plus pour du carton. Puis.
à ce prix-là, t'espères avoir une rentabilité quelconque. Là. Tu veux pas jouer juste 3 heures avec ton robot une fois qu'il est construit. Tu veux quand même qu'il serve. Ah. Là. J'ai l'impression que ça risque d'être ça le problème, que les gens qui vont l'acheter vont jouer 2 heures avec, vont trouver ça le fun, vont le laisser dans un coin, ou vont acheter ça parce qu'ils ont des kits. J'ai hâte d'avoir la résistance du matériel. Si c'est du carton, si t'achètes ça, t'as des kits, puis le brasse un peu. C'est ça. Faut que le carton tienne le coup quand même. Moi, c'est vraiment le point critique de tout ce qui est ce produit-là. Garantie et carton, comment ils vont faire pour couvrir ça, remplacer ça, ça va être un enfer pour Nintendo. Sûrement avoir une clause ou de quoi. Mais pas crasser c'est du carton, en cause que. Ouais. On regarde les annonces, c'est tout bien monté, c'est tout bien plié. T'sais, ça a été fait par des pros qui l'ont fait environ 150 fois chaque. Mais nous autres, à la maison, on arrive, bon, on essaie de plier ça, puis à un moment donné, on le déchire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être avoir des kits de remplacement aussi. On peut aller acheter juste les cartons, puis ça ne te coûtera pas un prix de fou. On a déjà le jeu. C'est pour... moi, je me demande pour eux autres que ça va être accessible. Ouais. Je pense que ça va venir comme avec un rouleau de duct tape. Ben, tu peux acheter le tape Nintendo puis les stickers à part. Hein. Tu peux acheter la roulette de tape Nintendo pour vrai. Hein. Pour vrai, il y a une roulette de tape Nintendo. Il y a des packs de stickers aussi pour personnaliser tes affaires. Tu vas pouvoir prendre ça pour ton arcane. Hein. Ben oui, man. Moi, je vais acheter juste les stickers pour mettre un peu partout là-dessus. Hey. Pourquoi pas? Okay, ouais, c'est... Mais c'est ça. C'est un nouveau concept qu'ils nous ont lancé là. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner ou pas. Parce qu'on s'entend que c'est quand même un guess qu'ils prennent là, de sortir carrément un nouveau produit dans une ère où tout est rendu virtuel, la VR et puis la réalité augmentée, puis tout ça, de sortir quelque chose de physique, puis qui n'est pas pour tout le monde non plus. Tu sais, comme moi, je vais l'essayer peut-être si j'en ai l'occasion, mais c'est pas quelque chose que je vais acheter. Je suis pas attiré vers ça. Moi, je vais l'acheter. S'il disait qu'à la base, c'était plus pour les enfants. Hey, fuck off. Mais, garde ton cœur d'enfant, Max. Ben c'est ça, c'est correct aussi. Moi, comme je dis, moi aussi, ça ne me dérangerait pas de l'essayer. Mais est-ce que je vais payer 100$ environ pour quelque chose que je vais me servir deux fois? Je pense pas. Le piano a l'air cool aussi. Moi, j'ai deux, trois questions vite de même. Qu'est-ce qu'il y a d'annoncé? Combien de jeux? Puis c'est quand ça sort? On peut pas répondre à ça. Répondez pas tout en même temps. Je pense qu'ils n'ont pas mis de date officielle encore. Ben oui, mais ça, ils ont mis une date. Parler de mars ou... Merci, Jason, de faire ta fouine sur les internets. Ça me semble en avril. Je vais dire. Ah, ben oui, c'est pas le 420. C'est pas, ouais. Ouais, il sort. Le 20 sort au 420. Ouais, il sort. Tellement bien, c'est qui le public cible? Oh, man, on gèle la face puis on plie du carton. Il sort ça le 420. OK, donc. Mais c'était pas le 22 ou le 20, il y a quelque chose genre. Okay. En tout cas, Jason va nous dire ça. Là, j'ai vu un piano, j'ai vu un robot, j'ai vu une canne à pêche. Ouais. J'ai vu quoi d'autre? Fort Wayne, pour vrai. Ouais. Parce qu'à date, il y a l'affaire qui est un bonhomme qui tient les choses, puis là, ça vibre, puis il tombe. C'est dans le jeu de base. Dans le jeu de base, tu as la canne à pêche, le petit bonhomme, le piano, une autre affaire que je me rappelle plus. Ah, wow. T'en as 4-5, en tout cas. Puis t'as le kit du robot. À date, c'est les deux qui ont annoncé. Puis là, il va sûrement en avoir d'autres éventuellement. Il y a la maison. Ouais, c'est la maison que je cherchais. J'ai le kit du robot. La petite maison. Au risque de sonner négatif, parce que c'est ma job, là. j'ai l'impression que ça risque de prendre le même chemin que le Wonder Book. Puis que les PlayStation. Tout à fait d'accord. C'est quoi le Wonder Book? Genre de livre interactif que PlayStation avait sorti. Avec la caméra, tu scannais les pages un peu comme ton jeu de cartes sur Play 3 qui s'appelle Eyes of Judgment. Tu avais comme une aventure avec les pages, puis la manette Move faisait partie de ça, je crois. Ouais, c'était pour PlayStation Move. Quand même cool. Ça a pas pogné. Ça a pas pogné partout, ça a fait un flop monumental. Il y a rien que Nintendo qui peut faire des affaires. Le concept était génial, mais j'adore vraiment ta comparaison, Jason. T'as mis le doigt exactement. Ils l'ont recyclé souvent, le PlayStation Move, finalement. Oui. Avant de trouver une niche avec le VR. Ah oui, puis pourtant, la Move, ça marchait numéro un. C'était hyper précis comparé aux manettes de Wii Standard. Ah, je joue à des jeux de guns, ça va bien. J'ai les House of the Dead sur Move. Ça se jouait bien. J'aimerais avoir les deux guns de plastique pour mettre mes moves dedans. Ça pourrait aller un petit peu mieux, là, mais moi, j'ai rien à dire. Mais non, je pense que c'est pas mal. Le futur nous attend bras ouverts avec des cartons. En même temps, je pense.
C'est dur. Ils sortiront pas d'espérance de vente avant, c'est sûr, mais je m'attends pas à ce que Nintendo pense en vendre 10 millions non plus. Là. Ça doit être non. des espérances de vente non, assez basses. Ils essaient juste d'aller chercher d'autres publics encore. Là, comme là, ils veulent avoir un peu tout le monde à la place de juste viser les jeunes. Ce que je trouve déjà un peu mieux. Là. Quelque chose que j'aimerais mentionner qui est positif, Nintendo sort de quoi de nouveau? Ben, ouais. Ils font tout le temps ça, Nintendo. Ça n'a jamais été vraiment... Je suis un peu d'accord avec Max. Là. Je trouve pas que ça a déjà été le problème de Nintendo. Ben ils font souvent des affaires qui... Nintendo sont tout le temps... Sont dans le beurre un peu. Moi, c'est plus qu'en gros que Nintendo, on s'entend, ils ont la réputation de recycler tout le temps les mêmes hosties de franchises. Moi, c'est plus ou moins que je pour le pour les franchises, oui, mais pour le côté matériel, je trouve que c'est pas mal. Oui, c'est nouveau. Ah oui, c'est tout le temps les autres qui arrivent avec des nouvelles manettes. Mais, de quoi tu parles. Moi, je le vois plus comme une nouvelle innovation d'un nouveau jeu. Et je pense pas qu'il va y avoir 4 Nintendo Lobo dans la vie, là, mais au moins, ils sortent de quoi de nouveau. Fait que ça serait cool d'avoir Punch-Out. Punch-Out en carton, même. Tu fais des gants de boxe. Ça serait là, t'inquiète ça, je joue à Joy-Cons. Arms. Je trouverais ça cool. Arms, ça suce. Pourquoi? Ça suce, Arms. Ça a l'air cool, nous, je trouve. La merde. C'est pas si pire ça que là, ça. Ça, c'est à cause que t'es pas bon. C'est de la merde. C'est pas si pire que ça. Faut pas le considérer comme un jeu de boxe. C'est un jeu de party. Ouais. Oh, man, tu me dessous. Good. Fait que là, le Toki... On va-tu voir des speedruns dans Nintendo Lobo? Non, sa maison le plus vite. Il y a sûrement assez des toqués qui vont faire ça. Je te garantis que ça va devenir une nouvelle catégorie de records mondiaux. Ça, c'est sûr et certain. Mais je me suis découvert ça là, récemment, cette petite communauté-là. J'ai découvert plein de speedruns, puis un peu le domaine. Si vous connaissez pas le domaine, dans le fond, une speedrun, premièrement, vous savez sûrement que c'est faire le jeu le plus vite possible. Mais là, tu as plein de manières de faire un jeu. Tu peux faire des speedruns 100%, où là, il faut le faire le plus vite possible en faisant tout le jeu. Des speedruns any percent glitchless, blablabla. Fait que tu as plein de sous-catégories dans lesquelles tu peux faire tes records. Puis ça, c'est tenu sur des sites genre Twin Galaxies, puis tout, qui est au centre de la controverse qu'on va aborder tantôt. Ooh. Ouais. Fait que là, moi, j'ai découvert plein de monde, genre des youtubeurs, surtout des Twitchers, genre Darbien, que lui avait quoi, je l'ai vu battre 10-15 records, là, il en hold d'environ 4-5. C'est lui qui a fait Mario Bros le plus vite. Nice. Ouais. Là, je sais pas s'il s'est fait battre, là, parce que j'ai vu un gars passer à Colbert, là, 2-3 ans, qui faisait Mario Bros. Tu passes à Colbert quand tu fais des speedruns? Non, mais j'avais vu ça passer. C'est mainstream. Ouais, j'avais vu ça passer sur Colbert, là, 2 ans, je pense. Mais je pense que Darbien l'avait pris son record. Il était capable de le faire en Super Mario 3 en 3 minutes. 3 minutes 50. Ah, il doit être glitch à côté. Ouais, c'est any percent glitch. Ouais. Puis ça, tout ça pour dire que moi, personnellement, je suis en train de me combattre pour un record. Ooh. Ouais. Alors, on parle pas de speedrun. C'est un peu dans le même esprit. C'est que là, à place d'aller le plus vite possible, on essaye de faire le plus de points. Puis là, ça, c'est plus des jeux d'arcade, normalement, sur Twin Galaxies, puis tout. Moi, j'essaye de battre Track and Field. Ah, le jeu de course. Ouais, oh, cool. Track and Field, le jeu de olympique. Ouais, le jeu olympique de course. Ça, ouais, c'est ça, de course. Ça, je pensais. Un petit peu toutes les épreuves olympiques. Là. Puis c'est un documentaire appelé King of Kong qui m'a donné envie de me lancer à la poursuite d'un documentaire. Je sais pas si vous connaissez ça, on en avait parlé un peu. Si vous avez pas vu ce documentaire / film-là, écoutez ça, c'est malade. C'est très cool. King of Kong qui parle de la conquête du high score à Donkey Kong Arcade, l'original, contre qui opposait Billy Mitchell à Steve Wiebe. C'est-tu Billy Mitchell qui a un gros pad? Ouais, puis Billy Mitchell, c'est un peu le vilain du film. Là. Ils l'ont fait pour être le vilain, mais Billy Mitchell, c'est une merde aussi. Ouais. C'est vraiment une merde dans la vraie vie. C'est sûr, là, il le rend un petit peu plus méchant. Mais Billy Mitchell, justement, il a été prouvé que son... Cette semaine, d'ailleurs. Ouais, son high score de Donkey Kong n'est pas valide. Parce qu'il n'était pas dans la bonne catégorie. Il a joué sur MAME, comme j'ai là. Puis il a fait la soumission sur un arcade original dans la catégorie arcade original. Fait qu'il a perdu son record. Le problème de ces vieux records-là, j'imagine, c'est qu'il y en a beaucoup qui... sont pas documentés. Ça, tu peux avoir des preuves vidéo, tu peux avoir des preuves photos facilement. Ben là, les plus vieux, il y en a pas mal qui reposent sur la
confiance. Les plus vieux, c'était dans une communauté, dans la ville, où est-ce que ça se passe. Ça se passe dans quelle ville, vous souvenez-vous? Je me souviens. Au Fun Spot, je ne sais pas trop quelle ville, c'est mais c'est un... bâti une communauté autour. Ouais, ben, c'est un gars qui s'occupait d'une arcane qui est comme devenu comme arbitre de cette communauté-là. Je trouvais ça cool. Fait que les records... Le bonhomme a fait « Hey, on va faire une communauté de records. » Ouais, mais ça, c'est justement un des gros problèmes. Le fait que c'est une communauté puis que la plupart des arbitres ont des records à beaucoup de jeux, ça fait beaucoup de corruption. Beaucoup de corruption. Fait que là, les vieux records, comme tu dis, il n'y avait pas de preuve vidéo. Fait que fallait... qu'il y ait un arbitre, puis il fallait qu'il juge, puis que, tu sais, vu qu'on se fie aux arbitres, vu qu'ils étaient là, puis c'est les arbitres, mais il y en avait beaucoup qui étaient corrompus, justement. Dans King of Kong, il parle, tu sais, il y a beaucoup d'injustices là, contre Steve Wiebe. Ouais. Lui, il se déplace, il fait le score live, puis l'autre envoie une cassette, que justement, c'est ce qui est, le footage qu'on a vu dans King of Kong, c'est ça qui a été disputé cette semaine, puis qui a été enlevé. Tu le voyais, c'était pas legit. Ça a été enlevé. Puis donc, ça me donnait envie, tout ça, moi, de partir à la conquête de track and field. Là, je suis rendu à 82 000, mon plus gros. 95, c'est le record. Ouh, là, 95, c'est le record mondial. Ouais, 95,930. Puis moi, j'étais à 82, quelque. Ouais, ça s'en vient. Ça s'en vient. Je joue trois fois par jour. Je devrais passer dans 2-3 mois, là. D'avoir être bon pour m'approcher, en tout cas, du record. Me mettre dans les 10 premiers, ça, c'est sûr. Okay. Je me suis laissé un petit peu après les fêtes... emporté dans Awesome Games Done Quick, Good Games Done Quick sur Twitch. La dernière édition, justement après les fêtes, qui ont ramassé 2,3 millions pour la recherche contre le cancer. Ceux qui ne sont pas familiers, c'est un marathon. Le dernier, c'était une semaine, 24 sur 24 sur Twitch. Des Twitchers qui se relayaient pour faire des speedruns de différents jeux. J'en ai regardé un peu. C'est rare que j'ai regardé un speedrun du début à la fin, à moins que ce soit un jeu de NES qui se fait super vite. Là. Ah ouais, moi aussi. Mais dans ça, j'y allais sur Twitch de temps en temps, je checkais les jeux. J'ai vu du monde faire Bloodborne, j'ai vu du monde faire RE7, Resident Evil 7. Puis ce qui me fascine, c'est à quel point ce monde-là connaissent les jeux sur le bout de leurs doigts. T'as même, pas le choix pour même faire ceux-là un speedrun. Surtout ceux-là qui sont faits legit, là, qui sont pas tool assisted. Dans RE7, le gars... dit, je vais là, la seule raison pourquoi je vais là, c'est parce que ça trigger telle affaire à telle place. Mm-hmm. Je me rends là, je reviens d'abord pour aller faire telle affaire. Exact. Puis, tu sais, je me rends compte, quand j'ai commencé à jouer à Bloodborne, c'est ça que t'apprends à un moment donné. Les ennemis trigger quand je suis rendu là, je reviens en arrière parce qu'il y en a qui s'en vont là, etc. Mm-hmm. Mais le temps que ça doit prendre pour. Ça. Surtout les jeux plus récents, là, des jeux qui prennent une dizaine d'heures en montant, le temps que ça doit prendre, apprendre ça sur le bout de tes doigts pour faire le speedrun, puis le réussir sans fucked up. Ben oui. Part, là, c'est, je trouvais quand même ça c'est impressionnant. C'est impressionnant à écrire. Avez-vous vu les speedruns de Nintendo 64? Ça, c'est fucked up en asti. Parce que ça, c'est glitch en asti. Hey, le monde abuse du Nintendo 64. Ouais. Donkey Kong 64 est connu comme le jeu sans mur. Okay. Parce qu'il y a tellement de glitch quand tu peux jouer avec la vitesse du jeu. Vu qu'il y avait un problème dans mémoire, ils ont pris l'expansion pack, puis ils ont réussi à semi-régler le problème, un problème de lag. Fait que quand tu as trop d'items dans l'écran puis de choses à afficher, le jeu compense en mettant la vitesse de ton singe plus rapide. Fait que là, quand que tu fais laguer le jeu en tirant des grenades, puis là, tu peux clipper à travers les murs un peu partout, puis t'apprendre toutes les mécaniques. Vous irez voir le YouTuber Summoning Salt, tout collé. Lui, il fait des documentaires de la progression des World Records. Vraiment bien fait. Puis là, ça montre un peu comment que le monde connaisse les jeux sur le bout de leur doigt, dis-je. Genre, le record de Super Mario World, là, vous irez voir ça, la progression, comment que le monde manipule du tabarnak. Super Mario World. Ben, hier, justement, le record de Pru pour. C'est sûr que c'est un glitch, par exemple. Là. Il a le droit au glitch sur PC. Il a fait Pru en 7 minutes. Le nouveau Pru? Le dernier Pru qui est sorti, il n'a pas long, il le fait en 7 minutes. Il passe à travers les murs, tu fais. Tabarnak, mais que. Combien de temps qu'il a pris pour apprendre ça? Ah, c'est cool. C'est un ça, là. Ça, je vais utiliser l'expression à max. Là. C'est toqué en esti. Chris, que c'est toqué faire ça. J'ai vu Pokémon en 2 minutes. Tout ce que t'as à faire, c'est ouvrir le jeu,
te mettre, faire un petit glitch, te mettre à manipuler des items dans ton inventaire, comme ça, ça change des décimales dans la mémoire, puis en sortant de la maison, tu tombes au windscreen. Faut que ça crée un sacrement. C'est fou, en esti. Le monde qui trouve ça, c'est... C'est des programmeurs. C'est les code diggers. C'est le même monde qui trouve que... Non, mais Rockstar, ils font des affaires souvent pour ce monde-là. Ouais. Dans GTA V... pour débloquer le Sasquatch, genre dans le mode director, où ce que tu peux faire des films, il faut que tu prennes toutes les peyotes, t'en prennes au bon moment, à la bonne température, la bonne journée. Mais le monde qui ont trouvé ça, c'est justement, c'est du monde qui vont diguer dans le code, qui cherche des affaires. Rockstar, je sais qu'ils mettent souvent les easter eggs de même. J'imagine qu'il y a d'autres studios à cette heure qui font ça. C'est du monde assez crinqué pour les trouver. C'est vraiment cool, les speedruns. Fait qu'allez voir Summoning Salts pour des progressions de world record. Puis sinon, surveiller Twin Galaxy pour voir mon record. Hey, je pense à ça. Toi, tu parles pas bien, mais t'as essayé d'en faire un, toi, record? Oui. Oui, oui, il faudrait que je réessaye de le refaire pour voir. Vous savez tous, je suis un grand fan de Kirby. Le premier Kirby que j'ai joué de ma vie, c'est Kirby 64. Et je l'ai tellement joué que je le connais par cœur, justement. Ça, c'est bon. Je le connais sur le bout de mes doigts, puis je suis capable de le faire en une heure... T'as peu, c'était quoi déjà mon record? 1h37 et le record mondial est 1h32. C'était en 100%? 100%. OK. Cool. Il est quand même pas. Je suis quand même proche. T'es proche? T'es plus proche que moi, Track and Field. J'ai fait... Là, je suis un peu rouillé, je pourrais le faire comme en 1h40, 1h45. J'ai fait Mario 1 en 6 minutes 20. Je pense que le record, c'est 4,50. C'est 4,57, je pense. 4,52, j'ai vu Darbyn à 4,52. Ces records-là, c'est-tu legit ou c'est tool assist souvent? Non, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il peut prendre des tool assist pour étudier puis programmer, puis après ça, il réplique la tool assist live pour ses records. Fait que oui, il utilise les tool assist, mais il fait pas passer ça. Tu le vois avec la caméra sur sa main et tout, tu vois les boutons qui pèsent. Puis il a dit que oui, il utilise des fois des tool assist pour découvrir certaines affaires. Ah, c'est cool. Ben pour calculer son chemin, admettons, ça peut passer. Ou comme Mario Bros, en faisant des tool assist, il a découvert que quand tu faisais un backward jump, tu peux avancer de certains pixels. Ouais. Parce que normalement, tu as un scroll screen, tu restes dans le milieu. Puis en avançant de certains screens, tu peux arriver à un tuyau où ce que la bite de mémoire reste au monde où ce que tu veux aller. Fait que quand tu rentres dedans sans dépasser, puis tu restes dans la bonne bite de mémoire, ça te téléporte, puis là, tu passes. Tu gagnes du temps à Chris. Est-ce que c'est toqué? C'est fou. Faut le savoir. C'est un peu dans la même veine. C'est pas des speedruns. Ce que je trouve tout le temps cool à regarder, c'est le monde qui se font des challenge runs. T'sais. Le gars qui a passé Mario Odyssey sans sauter. Là. Le gars qui fait Dark Souls, pas d'armure. Les enfants dans la main. Contra sans sauter. Contra sans perdre une vie. J'aimais bien faire Ocarina of Time avec 3 cœurs, puis Majora's Mask avec 3 cœurs, puis prendre le moins d'affaires possible. Si je peux passer à quelque part en glitchant, je passe là. J'essaie de faire prendre le moins d'affaires. Ça, c'était cool. J'appelais ça des trials. C'est cool. Ouais, c'est bien. C'est comme, mettons, on prendrait un RPG moderne où est-ce que tu t'upgrades jamais ton skill tree. Ben, Germ avait fait Final 7 CD1 sans mettre de matériaux, mais c'est pas parce qu'il voulait être... Bon, c'est parce qu'il savait pas comment. Il voulait pas de défi, là. C'est vrai qu'il a pas remarqué, qu'il n'a pas checké dans ses menus. Puis Germ, il était jeune, commençait à jouer. On a ri de lui longtemps. Salutations, Germ. Dans les RPG, tu dois frapper un mur à un moment donné, par exemple. Ben, il a réussi à battre Genova au CD1 pareil. Il a pas changé ses équipements, puis pas mis de matériaux. Il s'est tellement grindé. Fourrière de ce type. Ben, si t'arrives à un stade où t'auras beau grinder, tu vas te faire one-shot. J'ai hâte d'y montrer ça, il va rire. Sinon, j'en vois souvent, c'est niaiseux, là, mais le monde qui passe des jeux avec les bongos de Donkey Kong. Là. Ouais, j'ai vu Demon's Soul, Dark Souls. Même il y en a un, je pense, qui a fait Bloodborne avec ça aussi. Ou bien, plus récemment, Breath of the Wild, je pense, a eu ce traitement-là. Breath of the Wild avec des tambours, ça doit être assez drôle, merci. J'ai vu des gens, on sait que... La guide de Guitar Hero. Oui, c'est n'importe quoi. Jouer à Guitar Hero pour faire, mettons, un tableau de Mario Bros ou des trucs de même. Là. C'est une passion. C'est un hobby, c'est une part du hobby. Là. Je pense que tu découles un peu de la maladie mentale quand tu fais ça. Là, mais ben, tu sais, c'est... On entend souvent depuis une couple de mois, là, parce que c'est rendu des live services, là.
le nouveau terme hot de Ubisoft EA pour décrire leur jeu. Là. C'est des choses qui sont continuellement des lifestyle games qu'il y avait avant. À ce temps, ils ont enlevé le mot game complètement parce qu'ils sont encore les mains de souvent en arrière. Mais c'est pas tant différent de quelqu'un qui joue juste à Destiny, à Monster Hunter, genre à comme Diablo, toi. Whatever. Mes trois dernières semaines, c'est pas mal juste Monster Hunter. Il y a du monde qui, leur seul jeu, c'est Destiny, leur seul jeu, c'est Call of Duty pendant l'année. Oui, t'es craqué quand t'apprends Mario Bros par cœur. Mario Bros, c'est pas si long que ça, voyons, non. D'année. T'es sûr. Tu développes tes skills. Oui, non, tu sais, c'est une passion comme une autre. C'est, au moins, ça. Tu sais, il y a tout le temps le gaming qui est relié à ça. Fait ça reste une passion, ça reste le fun. Mais tabarnèche, il faut être bucké pour faire ça dans la vie. Mais comme tu dis, il faut que ça soit le fun. Il faut que tu aies du fun à faire ça. Oui, j'espère que le monde qui a fait ça, ils ont du fun. Parce que sinon, c'est du majorisme. Sinon, ouais, là, ça devient un problème de santé mentale. C'est ouais. Un peu, là. Mais sinon, essaie de me souvenir. Je me sens que j'avais vu Contra sans sauter ou quand même. Ça, c'est un peu fucké. Là, moi aussi, j'aime ça avoir des sortes de petits challenges. Même le Contra sans perdre une vie, ça en est un. Quand on parle de record, je suis 18e à Luminaire sur Play 3, puis j'ai fini premier sur Vita pendant une semaine. Oh! Et ça, c'est quand même on aurait pu. C'est le Rhythm Game, ça? Hein? C'est le Rhythm Game? Ouais, Rhythm avec un Tetris dedans. Ouais, mais. Peut-être serait-ce un jeu de toki. peut-être. Fait que sinon, à part ça, t'avais-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, moi, c'est pas mal ça. Là. À part, c'est vrai, on n'a pas parlé de Todd Rogers encore. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Todd Rogers, en parlant de record, c'est quelqu'un que, comme Billy Mitchell la semaine passée, sauf Todd Rogers, ça fait 2-3 semaines, il a perdu tout ses records. On avait quoi, 70-80? Je sais pas le nombre exact, mais c'était beaucoup. Ouais, il y avait genre 70-80 records à Twin Galaxies. Ça donne que lui aussi est un arbitre à temps partiel. Okay. Et donc, il serait entraîné avec d'autres personnes pour avoir des records. Donc, son plus célèbre, c'était Dragster. Il avait dit qu'il avait fait 5.51. Et il y a du monde qui ont fait les spreadsheets de Excel avec toutes les configurations des gears que tu peux prendre, puis des millisecondes. Puis une fois optimisé, c'est pas possible d'avoir moins que 5.57. Donc son 5.51 est impossible, c'est pas programmé dans le jeu. Puis d'ailleurs, j'ai encore vu Darbyen faire 5.57. Lui, il joue avec une manette de Genesis, par exemple. Fait que c'est dans la catégorie émulation. Hey, c'est stocké un peu. C'est dur, Dragster. Je sais pas si vous avez déjà joué. Là. Non. T'es un buggy, puis là, tu pèses sur le gaz pour que tu shiftes tes 6 vitesses le plus vite possible. Puis, man, ton moteur, il monte vite la première par deuxième vitesse avec la part en arrière sur le joystick. C'est vraiment spécial. Okay. C'est cool. C'est addictif, pour vrai. Vraiment addictif. Trouver exactement quand shifter. Là. Okay. Moi, je pense que j'ai fait 6.31, mon bis. N'importe quoi. Au moins, quand un jeu addictif dure en bas de 10 secondes, c'est pas trop pire. C'est tac-tac-tac, game après game. Pis... T'as joué 15 minutes, t'en as fait une centaine de runs. Ouais, t'en as tête là. Ça te prend moins d'heures. Non, je joue pas plus que 10 minutes à Dragster. Eh ben. Fait que là, il y en a un qui avait plein de records, qui a tout perdu. Il a tout perdu, comme Billy Mitchell aussi. Fait qu'il allait écouter King of Kong, puis faites des petites recherches sur Todd Rogers, vous allez voir... C'est assez intéressant. Il y a Snake aussi qu'il faut que vous alliez voir, qui est le même producteur que King of Kong, qui parle d'un bonhomme genre qui veut comme jouer beaucoup trop d'heures en ligne à une arcade puis qui sera malade. C'est cool. Bon. Il joue pendant 36 heures à Snake. Ouais, je sais pas trop. Là, c'est quand même intense. Beaucoup trop d'heures. C'est ridicule. Ça c'est toqué. Fait que, c'est pas mal sûr. Ouais, ça a fait pas mal tôt. Je peux-tu plugger une nouvelle que j'ai oubliée au début? Le Canada a gagné une médaille en StarCraft aux Olympiques en Corée du Sud. C'est vrai, ça. Les quelques jeux qui sont en démonstration aux Olympiques à Pyeongchang. Les Olympiques de jeux vidéo. Je me ferai pas d'amis, là, mais je trouve ça calme. Tu sais, en même temps, recul de 10 ans puis du slopestyle aux Jeux Olympiques... T'aurais dit que c'est du stock de X-Games, c'est pas d'affaire là. Puis là, le slopestyle aux Olympiques, c'est probablement l'affaire la plus excitante, une des affaires les plus excitantes à regarder aux Olympiques. Tu regardes ça, toi, les Olympiques?
Des fois, je trouve ça impressionnant. Tu trouves ça impressionnant, quelqu'un qui fait Mario Bros vite, ça grimpe. C'est un peu la même affaire. Mais Mario Bros, c'est intéressant. Le c'est de la merde. C'est tout le meilleur dans leur catégorie au monde. C'est quand même des choses impressionnantes. Les Olympiques, c'est comme le Super Bowl. Il n'y a rien de plus overrated puis mainstream que ça. Au moins, les Eagles ont gagné. C'était plus de cash dans les finales de Dota puis de LOL qu'au Super Bowl aux Olympiques. Ouais. Le monde est rendu fou. Mais c'est-tu une fille qui avait gagné ou c'est une équipe ou... Bonne question. Sur la photo, j'ai vu, me semble, c'est une fille. Me semble, j'ai dans l'idée que c'est une fille qui avait remporté une médaille. Sasha Austin de Kingston, Ontario. Vive l'Ontario. Bravo. L'argent à Star. Au cas où qu'elle nous écoute, ben, crème bravo, Sacha. Avec l'accent, tout. Bravo, Sacha. Sacha. Bravo. C'est surprenant que ce soit pas tous des Coréens et des Japonais qui ramontent ces affaires. Oui, c'est ça. C'est très raciste comme commentaire. Ça, c'est full de préjugés. Il faut avoir les SJW. Mais toutes les fois que je joue à des MMO ou des affaires online, que les Coréens ou des Japonais, ils me crissent tout le temps. Peu importe le jeu. C'est très anecdotique, tu vas me dire, puis c'est des préjugés. Je te le concède. On tient à mentionner qu'on n'est pas raciste, d'accord? Discrimination positive. C'est juste que les Coréens ont pas d'âme. Oh my God! Oh. Calisse. Ouais, voyons, c'est des farces, des farces. Fait que, hey, y a des jeux qui s'en viennent. Ça va être le fun. Ça va être le fun, des jeux qui s'en viennent. C'est quoi qui s'en vient, là, que vous êtes excité? Regarde, moi, je suis excité par un jeu qui sort justement aujourd'hui qui s'appelle Crossing Soul, un jeu indie qui est pas publié mais comme annoncé par Devolver, eux autres qui ont comme fait Enter the Gungeon. Puis c'est une gang de jeunes dans les années 80. Ça ressemble à Stranger Team, mais pas vraiment Stranger Team. Mais ça a l'air cool, un petit jeu indie qui est en spécial d'ailleurs sur PlayStation Store à ce moment. Peut-être que la semaine prochaine, quand vous allez écouter l'émission, il sera plus en spécial, mais... C'est quoi le gameplay? Le gameplay, les combats auront l'air beat'em up un peu. T'as 5 personnages que tu peux switcher très rapidement juste à partir d'un piton. Chaque personnage a une habileté spéciale puis une arme à eux. Il y en a un avec un bat de baseball, il y en a un qui est comme un peu rondoulé, fait qu'il est capable de frapper plus fort. Il y en a une qui a un fouet. Il y a le nerd qui tire des lasers. Puis t'as le kid qui se décrotte le nez, j'ai pas encore trouvé à quoi qu'il sert. Fait que non, ça a l'air... Puis bien sûr, ça commence par 5 jeunes qui trouvent un cadavre sur le bord d'un lac qui tient une affaire magique. Ah! Ouh, mais... Plot twist des années 80. Ouais, c'est ça. Et effectivement. Mais qu'est-ce qui est spécial un peu de ce jeu-là, c'est que t'as vraiment des scènes animées en dessin animé des années 80. Tu regardes ça, là, c'est carrément le samedi matin là, avec les cartoons du... Oh boy! He-Man, G.I. Joe, etc. Teenage Mutant... Tout est là. Je pense que ça a son charme. Le jeu sortait aujourd'hui. La démo était disponible une couple de jours. Je pense que ça vaut la peine. Ça vaut le détour. Par la suite, quand on regarde, Kirby sort quand? 16 mars. Ça vient bientôt. Ça, je pense qu'il faut en parler. Je pense que tu vas être capable de l'écrire un petit peu plus que moi. Oui, en effet. Forcément. Kirby Star Allies, en effet, sort le 16 mars. On s'entend que c'est Nintendo, donc c'est encore un peu la même recette du platformer pour 4 joueurs, plus comme un petit jeu standard pour tout le monde, que tout le monde peut apprécier, du drop-in, drop-out, on peut ajouter des joueurs, enlever des joueurs n'importe quand. La gimmick qui m'intéresse de ce jeu-là le plus, c'est que c'est comme dans Kirby 64, tu peux combiner des pouvoirs pour en faire un. Donc, mettons l'épée de feu ou la poque de curling pour la roche puis la glace ensemble, ça fait une poque de curling, c'est très drôle. Wow. C'est ça. Puis tu peux aussi recruter... Je sais pas exactement comment ça va marcher encore, mais dans les trailers, on le voit recruter des ennemis, un peu comme dans Kirby Superstar, pour ça va être eux autres, finalement, les autres joueurs. Sinon, ils vont être contrôlés par l'ordinateur, j'imagine. Puis, non, c'est ça. Ça sort le 16 mars, puis ça va sûrement être encore un petit platformer bien simple, bien rapide, bien le fun à faire. T'es sur Switch, hein? Sur Switch.
Oui, uniquement sur la Switch. Ah, c'est cool, ça. Ben, hâte à Yoshi Woolly World aussi. Ça sort pas en mars, ouais, ça, non, on n'a pas de date encore, je pense, pour celui-là. Non, mais on va l'avoir bientôt. Il est supposé sortir cette année, pareil, en 2018. Ah. Puis là, ben, au lieu d'être... Je ne sais pas s'il va y avoir un thème avec Nintendo Labo, mais là, ça a l'air d'être du carton plus que de la laine, cette fois-ci. Ah! Il y a quand même l'esthétique, tu sais, que Yoshi Woolly World avait, mais... Il y a un côté carton qui va ressortir dans celui-là. Pensez-vous que le précédent qu'il va être compatible avec Nintendo Labo? Peut-être. Je ne serais pas surpris qu'il ferait un Yoshi en carton. Ça serait qu'on peut cool. construire pour ce jeu-là qui remplacerait finalement ouais. un Amiibo. Un là. Amiibo peut-être, ouais. Ouais, ça serait cool. Ça serait pas bête. Ça pourrait faire un placement de produit. J'ai ouais. bien hâte de voir ça. Sinon, plus tard en mars, je pense qu'on attend Far Cry 5. Ben, ça, je me le gardais pour la fin, mais laisse faire. Ben, c'est parce que c'est pas mal le gros jeu qui sort fin mars. Ben, je te dirais, fin mars, c'est le 27 pour oui. Far Cry 5 oui. De Ubisoft, qui se passe dans le fin fond des États-Unis avec des rednecks. Des rednecks puis une secte un peu louche. Là. Oui, oui. Ouais, ouais. Ben, j'ai vu ça. Ça a l'air... J'ai vu ça. Moi, j'ai hâte de voir. Il va y avoir comme trois personnages jouables. Chacun leur... Il y en a un qui a comme un avion. Ça a l'air un peu étrange. Moi, j'ai adoré le 4, j'ai détesté le 3. Je vais quand même acheter le 5 parce que je suis curieux de voir le concept de Far Cry. T'avais pas aimé le 3? Non, j'ai détesté le 3 parce qu'il te prend trop par la main et ça me fait chier. J'avoue qu'il te prenait beaucoup par la main, par exemple. Mais tu sais pas grand-chose. Mais depuis quand que t'aimes ça, les jeux difficiles, toi? Tout le temps. Si, je joue à une Tower of John depuis 2 ans, calice de viande. T'as même pas été capable de passer Pokémon. Pis ça, c'est pas un jeu difficile, justement. Pis pourquoi tu regardes à faire des pourquoi jeux tu parles de jeux difficiles? On parle pas de ça, là. Mais sinon, à part ça, digne de mention, Ni No Kuni 2. Oui. Il y a pas beaucoup de monde qui connaissent tant que ça Ni No Kuni. Ça l'a vendu quand même de façon acceptable. Quand on parle de Pokémon, justement, on peut parler de Ni No Kuni. Toi, tu l'as fait au complet, je pense. Oui. Oui, j'avais fini le premier, c'était vraiment excellent. Les animations étaient géniales. Oui, ben, c'était fait par Studio Ghibli, là, ceux qui ont fait des films d'animation de haute qualité depuis plusieurs années. Là. Comme exemple, Princesse Mononoke, Spirited Away. C'était bon, ça. C'était des films excellents que je recommande à tous de voir, même si vous n'êtes pas des fans d'anime à la base. Si vous aimez la drogue aussi, écoutez ça. Ouais, il y a un petit côté fantasy, légèrement trip d'acide, mais c'est excellent. Ah oui, c'est excellent. Bord en bord, ton coffret est d'ailleurs très impressionnant de tous les films de studio Ghibli. Oui, mais puis le 2 n'est pas, par contre, fait en partenariat avec ce studio-là, ce qui est décevant, fait que s'il n'y aura pas de séquence animée, probablement, comme le premier. Ah, là, je suis un peu déçu. Mais ils gardent probablement la même recette, qui est que t'as deux ou trois personnages jouables qui peuvent chacun recruter des créatures un peu comme Pokémon, les entraîner, les faire évoluer, les faire combattre pour toi, mais tu peux aussi combattre de ton côté parce que t'as ta magie puis ton arme comme un épée ou... J'ai vu je pense qu'il y a comme un vidéo de 10 minutes de gameplay là, qui est apparu sur internet cette semaine, fait que je pense que ça vaut le détour pour ceux-là qui n'ont pas joué au premier. Essayez de vous trouver ça sur Play 3, c'était sublime comme petit jeu. Puis sinon, on va parler quand même de Microsoft avec Sea of Thieves. Oui. Ça en vient, le jeu pirate. Le jeu pirate. As-tu essayé la bêta? Non, je n'ai pas pu essayer la bêta. J'aurais adoré pouvoir essayer. Il paraît qu'il y a une bêta ouverte qui s'en vient. Début mars, il me semble. J'aimerais bien ça l'essayer. J'ai écouté beaucoup de critiques de la bêta en soi. Puis tout en revient au même, c'est que... Le jeu a l'air super le fun, mais malheureusement, c'est le genre de jeu que tu vas passer 10 heures, puis tu vas pas, après ça, tu vas passer à d'autres choses. Ouais, le commentaire qui revient souvent que j'ai vu, puis là, c'est sûr que c'est juste une bêta, il y a beaucoup du jeu qui est pas là, là. Mais les commentaires que j'ai vus, c'est si t'es une petite gang, t'es 3-4 chums avec des mics ensemble, c'est super le fun. Tout seul ou avec du monde pas de mic, ça a l'air d'être un peu plus ennuyant. C'est probablement ça l'objectif du jeu, et nous, de toute façon, on est en co-op. Oui, il va falloir que tu aies énormément de communication. Le monde qui conduise des bateaux, il y en a un qui s'occupe de charger les canons, il y en a un qui s'occupe de la toile, il y en a un qui s'occupe de conduire, puis il y en a un qui s'occupe genre de planter les planches dans la cale quand le bateau se fait tirer dessus. C'est vraiment un jeu de coopération, ce jeu-là. Je l'attendais depuis longtemps, mais. Ah, c'est bien. Il paraît que tu trouves. Tu as une énigme.
tu réduis la petite énigme très facile, tu t'en vas vers l'île, tu trouves le trésor, tu vas le porter le trésor et tu recommences. Ce qui me fait peur, qu'il n'y ait pas beaucoup de contenu ou que tout le contenu revienne un peu à même après. Ouais. Je pense que c'est ça. Beaucoup de rinse and repeat. Ouais c'est ça. Je pense justement, moi et Jeff, on en parlait à un autre jour. Pensez-vous que ce jeu-là va souffrir du syndrome de No Man's Sky? Jeu immense mais vide. Ça se peut très bien. Avec des missions répétitives, justement, qui font que le gameplay est très vite redondant. Mais par exemple, un point qui peut être positif, je ne sais pas à quel point ils sont libres, mais ça fait longtemps que Rare n'ont pas fait quelque chose d'intéressant. Ils ont travaillé pendant des années sur de la merde pour Kinect, depuis qu'ils ont été achetés par Microsoft. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est peut-être leur shot d'avoir un gros succès. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils ont fait de quoi. Les belles années de Rare, c'est au 64. Oui, exact. Puis le dernier projet qu'ils avaient fait avant ça, c'était Killer Instinct. Puis là, c'est même plus eux autres qui travaillent dessus. Puis là, ben, ils sortent ça. On va leur donner leur chance, je pense. Ça dépend du niveau de liberté qu'ils ont. Je sais pas le contrôle que Microsoft exerce. Non, en effet. Là. Moi, j'ai hâte à ce jeu-là. Moi, c'est sûr, si je me l'achète, ça va être sur PC parce que j'ai pas d'Xbox One et j'en veux pas. Mais je pense que Xbox One a besoin de ce jeu-là, a besoin de cette exclusivité-là. Ça va leur faire du bien. Parce que je regardais le setlist de jeux qui s'en venait, puis oups, hein, messieurs, ça fait dur, je trouve. Ce serait le temps de tuer ça, Xbox. Crackdown, pas Crackdown, puis Sea of Thieves. Crackdown, c'est dans un bout, je pense. Ça a été reporté souvent. Ouais. Crackdown était supposé d'être là pour le launch de la Xbox One X. Et Chris. C'est parti pour sortir un an. Ouais. Un autre digne de mention sur la Switch, qui est déjà sorti sur PC, mais qui s'en vient sur Switch, c'est Hollow Knight. Hollow Knight, oui. Ça a l'air tellement génial. J'attends la version Switch parce que je me vois jouer à ça par portable. Un platformer très rapide, très dark, très stylisé, un peu à la Limbo. Ça a l'air tellement hot comme jeu. Ouais, le style visuel de jeu là, est vraiment nice. Oui, oui. C'est quelque chose qui m'a attiré beaucoup. Je l'avais essayé un peu chez un ami qui l'avait sur son PC, sur Steam. Okay. J'avais adoré. Fait probablement que je vais m'acheter la version Switch aussi. Parce que je pense qu'il est déjà sorti sur Play 4, ou bien il était avé de sortir. Mais je sais qu'il y a la version Switch s'en vient aussi très très prochainement. On est rendu à quoi? C'était 8 sur Switch. Ouais. Ça, j'ai hâte en bâtisse. Oui, non, ça, en tout cas, moi, pour le jouer présentement, c'est génial, ça vaut la peine. Puis le jouer portable, ça doit être très, très cool. Je joue rien que portable sur ma Switch à moitié. Bon, c'est pas mal plus de gameplay portable, de fait. Tu vas être gâté. Fait que non, bon point aussi, Max. Crème, pour une fois qu'il est au courant des jeux qui s'en viennent, on va y donner. Celui-là, j'ai hâte. Fait que je pense que c'était pas mal la petite... tu sais, il y en aurait plein d'autres qu'on pourrait parler, mais ça sert à rien comme Red Dead ou Last of Us. C'est tous des jeux que ça s'en vient, mais on sait pas quand. Pokémon, tu sais, on sait que ça s'en vient, mais Noël. Quand, on le sait pas. Noël. Je te le souhaite, Max. Début avril, il y a Yakuza 6 qui sort en Amérique du Nord. C'est vrai, je l'entends. Yakuza 0 puis Yakuza Kiwami l'année passée ont vendu plus que ce que ça vendait en Amérique du Nord avant. Fait que peut-être que Yakuza 6 peut avoir un bon buzz. C'est qui faisait ça, non? Je m'en souviens plus. C'est pas eux autres qui faisaient Shenmue? J'ai Kiwami chez nous, en plus, je ne me souviens pas c'est qui. Yakuza, il me semble. Ah non, c'est pas eux autres qui faisaient Shenmue, c'est un jeu inspiré ou de quoi de même. Il y a un lien entre Shenmue et Yakuza. Attends, c'est possible. C'est quoi, là? C'est possible. T'avais l'air à dire un autre jeu aussi. Ben moi, j'ai de quoi à rajouter. Il paraît-il que Pokémon, ça va révolutionner autant que Mario puis Zelda ont révolutionné que Breath of the Wild puis Odyssey. C'est plein de oui-dire. Puis très controversé, paraît-il, les changements. Je sais pas, ça va être quoi, là? J'oserais dire que Mario Odyssey a rien révolutionné. Ben, c'est revenu à la base du sandbox de la 64. C'est un platformer, probablement un des meilleur platformer qui a jamais été fait. Ouais, ça n'a pas de temps de ça remarque idées. Ça marque, je pense, un changement dans la convention de Mario. À cette heure, on va avoir moins de side-scrolling 2D de Mario, je suis pas mal sûr. Yakuza est fait par Sega. Ouais, c'est ça. Yu Suzuki, puis tout, je suis pas mal sûr c'était le lien. Sinon, compare à l'année passée, c'est tranquille comme printemps. Il y a God of War aussi en avril. Oui, mais 20 avril. C'est sûr qu'on peut pas... L'année passée, je pense que c'est une année exceptionnelle. Tu checkes le début de l'année passée,
Resident Evil, Nioh, Nier Automata, Persona, Horizon. Mass Effect, Horizon, Zelda. C'était épouvantable. Dans une période de 3 mois, c'était épouvantable. Si nos portefeuilles se sont fait fister bord en bord. Et pour Breath of the Wild, je suis fou. Ouais. J'ai tellement fait le décompte longtemps de ce jeu-là. Fait que je pense que c'était ça. Voulais-tu te clore, mon Simon? On peut clore l'émission si personne n'a de commentaires, questions à ajouter. Tu fais bien ça, nous. Je fais bien ça. Ça a l'air que je fais bien ça. Ben, crime, fais-le donc. Fait que je vais le faire. Alors, merci de votre écoute. Ça sonnait quasiment François Pérus. Je sais pas pourquoi, là. Merci de votre écoute. Et puis, on vous dit au prochain podcast de C'est pas pour les doux. See ya. Au revoir.